Alors, ce triban que vous voyez brodé sur ce bandeau, eh bien, nous interpelle parce que qu'est-ce que signifie la partie gauche du triban? La partie gauche est sur mon hémisphère gauche, et l'hémisphère gauche, c'est la partie yang, la partie solaire, la partie la force. Et c'est par conséquent, le trait correspond justement à la puissance et à la force. Et sur la partie de l'hémisphère droit de mon cerveau, qui est l'hémisphère féminin, lunaire, la sensibilité, la créativité, eh bien, c'est le trait, c'est l'amour, c'est lié d'ailleurs au cœur. Et le trait central, qui est l'axe de toute chose, c'est la sagesse. Et ce triban, par conséquent, nous renvoie aux trois boucliers celtiques, qui sont la force, l'amour et la sagesse. Donc vous avez la force, l'amour à l'extérieur et la sagesse au centre. Et ces trois forces, sagesse, amour, qui sont reliés, les trois boucliers, le triban, sont reliés au monde visible, le premier cercle Abred, qui est le monde visible, au deuxième cercle